carcero. Hey! Jovene? Ha! Whoa. Jim and Nisu. Anetem. Maître Taharqa, mon nom est Bayek, de Siwa. Je suis bien Taharqa, grand architecte de Saïs et régisseur de l'Étopolis. J'ai vu ta famille. C'est ta femme qui m'envoie. Elle dit que tu sais peut-être des choses sur le scarabée. Ce n'est pas le lieu pour en parler. Je n'ai pas envie que quelqu'un nous entende. Viens à l'intérieur et je te répondrai. Ton fils est très fier de ton travail. Tu lui manques. Il sera bientôt là. C'est mon rêve de voir mon fils et ses descendants marcher sur mes traces. Les rêves des grands hommes bâtissent le monde. De quoi rêves-tu, Bayek? Ah, je n'ai pas le loisir de rêver. Je cherche le scarabée. Le scarabée s'en prend aux faibles. Il ne me menace pas. Tu n'as pas peur du scarabée, Taharqa? Pourtant, après ce qu'il a fait au père de ta femme... Le sort du pauvre Gupa m'attriste. Quelle que soit l'œuvre de ma vie, quelle que soit ma responsabilité, je prie les dieux pour leur pardon. Maître Taharqa! Ils attaquent de nouveau les ruines! Bayek, viens te battre avec moi! Le vent se lève. C'est le mauvais signe. Ce bruit insistant est la voix de la tempête. Ces chiens du désert font de la tempête leur cri de ralliement. Ces pillards se servent de la tempête de sable pour masquer leur raid. Reste près de moi! Ne te laisse pas contourner par ces chiens! Je ne vous laisserai pas détruire mon œuvre! Par ici! Repousse ces Nekétianettes! Ils sortent de la tempête! Ces pillards chevauchent la tempête! Je vais le transpercer! Guerriers de l'Étopolis! Levez-vous et défendez vos maisons! Bekchai, contrôleur le visage de la justice! Bayek, ne t'écarte pas dans la tempête! Vous pensiez trouver des lâches, mais vous êtes tombés sur d'implacables guerriers! Le prochain visage que tu verras sera vert. Je mange. Oh. T'aurais pas dû venir ici. Ça repose en paix, la vermine. Maintenant. Ces pillards se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des chiens. Bayek, attaque-les! Reste auprès de moi, Bayek! L'Étopolis sait se défendre, bande de vermines! À mort, misérable chien! Me débarrasser de toi sera ma première bonne action. J'oublie jamais les visages. Et le tien. Le C'est ma sœur Hernik.
Bayek, tu les as taillés en pièces comme les crocs de Sobek. Bayek, viens avec nous. Je veux en finir avec ces chiens du désert. Grâce à toi, nous allons mettre un terme à leur règne de terreur. Je comprends ta soif de sang, Taharqa. Mais ces pillards ne m'intéressent pas. Je veux que tu me parles du scarabée. N'est-ce pas un insigne de Medjay que tu portes? Ces bandits représentent une terrible menace pour le bon peuple de l'Étopolis. Chevauche avec moi, Bayek. Et lorsque nous aurons renvoyé ces chiens dans le désert qu'ils aiment tant, alors je te dirai tout ce que tu veux savoir. Très bien. Aujourd'hui, je combattrai à tes côtés. Viens, Bayek. Prends tes armes et joins-toi à nous. Loyaux serviteurs de l'Étopolis, nous allons débusquer ces pillards et arroser le sable de leur sang. Tu peux me dire à quoi tu joues? Faites place! Cette tâche que tu t'es imposée, elle semble impossible. Seuls les dieux savent ce qui est impossible. Et si je ne cherche pas à décrocher les étoiles, comment savoir jusqu'où m'en approcher? L'Étopolis était une merveille, avant que le désert ne l'avale. Je veux montrer au monde, aux dieux, que les hommes peuvent tout accomplir s'ils y mettent leur âme. Peut-être as-tu été envoyé par les dieux pour m'aider à accomplir mon rêve. Tu es fort, tu as l'œil vif. Nous pourrions rendre sa gloire à cette région. J'ai ma propre tâche à accomplir. On verra si j'arrive à te convaincre. Wow. Les gardes sont très vigilants par ici. Tu sais qu'on a capturé un prêtre? La dame du massacre veille sur nous. Ces créatures commençaient à avoir faim. Je propose de les affamer jusqu'au prochain raid. Aux armes! On a des ennuis ici! Ces fanatiques mettent des gens en cage. Pitié, Neb. Si tu as tant soit peu de cœur, libère-moi. Reste ici. Et qu'ils seront morts, quelqu'un viendra te libérer. Tu as ma parole. Ouvre l'œil. On doit rester à l'affût. Tu as entendu quelque chose? Hui Hiru, tu es Pesuef. Je te remercie, Bayek. Avant que tu arrives, je croyais mon rêve condamné à mourir. Tu m'as donné la force de traquer et de tuer ces pillards. Qui étaient-ils? Des adorateurs de Sekhmet, la dame du massacre. Seul le chaos les intéresse. Sont-ils proches du scarabée? Non, ils se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des charognards. Et maintenant, les voilà devenus charognes.
Je vais ramener ce prêtre en ville. Retrouve-moi chez moi. Nous dînerons, et je te dirai ce que tu veux savoir. Maître Tarka, que Ptah vous bénisse, ainsi que le protecteur. Comment t'es-tu retrouvé ici ? J'ai été enlevé par ces pilleurs sanguinaires. Je croyais que la route de Memphis était sûre. Elle l'est maintenant, et je veillerai à ce qu'elle le reste. Tu dis que tu venais de Memphis ? Memphis regorge de prêtres. Ils n'ont pas besoin de moi là-bas. Mais Létopolis est devenue une terre fertile, grâce à ton travail. Comment ça va, Memphis ? Oh, ma foi, une ombre pèse sur la ville. Le grand prêtre a courroucé les dieux, et la ville en subit les conséquences. Mais tes messagers sont arrivés, avec ta vision d'avenir. Alors je suis venu ici pour servir les dieux. Repose-toi. Ensuite, nous te trouverons un toit à Létopolis. Bayek, tu as vu la tempête de sable ? Entre, père a dit que tu viendrais pour le dîner. Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui, les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable ! Assez de sable pour remplir une vie ! Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes. Pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Tarka ? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout ? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Et tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de Létopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... Tout va bien, Bayek ? Tu es souffrant ? Les dieux te maudissent, Stark ! Jusqu'à ton dernier jour. C'est nous. Aya, où es-tu, mon amour ? Kemu, je n'ai pas su... Ne m'en veux pas. J'arpenterai bientôt les ténèbres avec le cachet, en chemin vers les champs de roseaux. C'est bien. Bon cheval. Que les dieux te protègent.
Sans armes, ni armure, ni argent. Par où commencer? Vite, avant que le vent n'ait effacé les traces. D'abord, les armes. Ensuite, le scarabée. Le vent se lève, et le sable avec lui. Wow. Je vais devoir être prudent. Est-ce que tu as emballé l'équipement? Oui, ce sont des armes superbes. J'ai tout mis dans une caisse. Ça paiera notre tribu à ses fétous. Bien, on l'enverra à Fort Mikiyu dans quelques jours. Combien de temps il va mettre à mourir, d'après toi? Celui qu'on a enterré? Deux jours? Il a l'air robuste. Je te parie ce que tu veux que tel qu'il est parti, il tiendra au moins trois jours. Ils auraient dû rester dans l'ombre. Pas dû venir ici. Elle va crever. Arrête, maudit volatile. Ah, ils attaquent à vue, par ici. Tu vas crever!
Hey. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Gupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'y échappe. Je ne suis qu'un membre de l'Ordre des Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'Ordre des Anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison ? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non ! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Bonne nouvelle, Leila. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. D'accord. Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Gamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert ? Si ce coffre ne parvient pas à pomper, ce navire non plus ! S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer ! Très bien ! Au travail, bande de Vlakos ! Damastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi ! On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume ! Rien d'inhabituel pour des mercenaires. Ramez !
Allure de rame. Plus vite, c'est nous. Doucement. Il y a des récifs devant. J'ai des yeux, je les ai repérés. C'est ton troisième voyage et tu donnes déjà des ordres. J'adore te voir baver dans ta barbe, Phoxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau. Ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Des voiles à l'horizon, là-bas! Ce ne sont pas les couleurs de Rome! Dans quel guépier nous a entraîné cette reine vérolée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Nous devons faire vite. Par la barbe de Poséidon, l'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne veut pas brûler. C'est le Métana? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se... Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! On nous tient... Une pluie de feu! Sortez les boucliers! Accrochez-vous! Allure de rame! Allez! On nous tire dessus! Tenez-vous! Augmentez la cadence! Abritez-vous! Allez! Plus vite! Plus vite! On va la cadence! Reprenez-vous! Plus d'allure! Plus vite! On va les détourner! Plus vite! Les navires s'approchent à grande vitesse! Allure de rame! Allez! Tenez la cadence! On nous tire dessus! Accrochez-vous! Tirez, c'est nous! Souquet! Crampons! Allure de rame! Plus vite! Comprenez-vous! Allez, souquet! Arrêtez-vous! Allure de rame! Tenez bon! La cadence! Souquet, allure de rame! On nous tire dessus! Abritez-vous! Tirez, c'est nous! Plus vite, c'est nous! Accrochez-vous! Allez, plus vite! On nous tire dessus! Plus vite! On va les éprôner! Augmentez la cadence! Oui! On a coulé le dernier! Toujours aucune trace de ton maudit Romain! Prends garde à tes paroles, capitaine. Nous avons besoin de Pompée. Il est général. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le couvrir d'insultes. Je suis comme je suis! Je me moque de ces vlacos de rois et de reines! J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça! Je désespère les gens de raison. Moi, tu me conviens! Tu nous conviens! Oh là là! La reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment? Pompée sera à l'endroit convenu, au large de Phira. En route. Plus vite! On va les éprôner! Là! J'ai...
Je le vois. Pompez ces routes au nord. Doucement. Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat? Parades, femme, bien sûr que non. Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. Tu sais, toi, tu devrais rejoindre l'équipage. Bombe incendiaire parée! Lance-les quand nous sommes tout prêts! Plus vite! On va les éprôner! Plus vite! On nous tire dessus! Cramponnez-vous! Tenez bon! Allez! Cramponnez-vous! Plus vite! On va les éprôner! On nous tire dessus! Plus vite, mes frères! Plus vite! Prêt à tirer! On tire! Allure de rame réduite! On tire! Accrochez-vous! On nous tire dessus! Prenez-vous! Tirez, c'est nous! Allez, souquet! Allure de rame! Par les dieux! Plus vite! On va les éliminer! Putain, c'est nous! Ils attaquent Pompée! Il faut les arrêter! Ne les lâchez pas, mes vieilles crapules! Nous les briserons ou ils couleront en même temps que nous! Allure de rame, réduite! C'est nous! Allure de rame, allez! Plus vite! On va les éprôner! Allez, plus vite! On nous tire dessus! La cadence! Plus vite! Plus vite! On va les éprôner! Plus d'allure! Il en reste un! Très bon travail! On fera peut-être quelque chose de toi, après tout! Méfie-toi, vieillard. Je suis plus doué pour me battre que pour naviguer. On nous tire dessus! Plus vite! On va les éprôner! Allez, plus vite! La cadence! Plus vite! Ils vont par le fond! La partie est gagnée! Bien joué! Bon! Allons voir ce Métrocoïtès! Je ne me suis jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants de putain! La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Parades, qui êtes-vous? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine? Quel visage vois-tu sur cette pièce? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte.
Sigma 2, حالتك؟ J'ai pris la lame que j'ai trouvée. Bien. تذكر، عليك التخلص من ألف. Comment ça se passe? Mal. موتي أيتها الحمقى. Il faut que je les tue. C'est eux ou moi. Sigma 3, حالتك. أصرنا الهدف التنوي. جاري إخراجها من مخفية على... لا! لا! سيبو بلاي! لا! تمال قدر على... دي! لا دي! لا 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 لا! Si vous écoutez ceci, c'est que vous bossez pour Abstergo et que je suis morte. Alors soyez sympa. Faites en sorte que Sophia Rikin entende ça. Je rêvais de travailler sur le projet Animus. Ils m'ont fait poireauter pendant 12 ans. Ça ne m'a mené nulle part. Alors j'ai fabriqué un Animus qui accédait aux mémoires de n'importe qui, même hors de ma lignée génétique. J'ai même assisté à la naissance des assassins. Des artefacts, des tombeaux qu'on croyait légendaires. C'est moi qui les ai trouvés. En me tuant, vous avez perdu tout ce savoir. Je comprends pourquoi vous vouliez ma mort. Mais pourquoi avoir tué ma meilleure amie? Pourquoi est-elle... Oh, Abby petit, j'aurais mieux fait t'écouter. J'ai tué tous ces Nek et Tiadette. Je dois l'annoncer à Apollodorus, à Héracléon.